Good morning, Ali. Daniel est aujourd'hui le lundi matin. Chayester bat Miram. Ainsi que les refouats Olivier, Sal Shimon ben Chayester, Chamshat Miram bat Rosana, Abinimin ben Chibiba betor Shachol Israël. Si vous souhaitez, vous aussi étudier une prochaine étude de Mishnah contre les 25 minutes éternelles. Nous étudions Masechet Eruvin. Perek Yud Mishnah Gimel. Haya kore basefer ala iskupa. Benit galgel asefer beyado. Miyado. Golelo etzlo. Haya kore berosh agag. Benit galgel asefer miyado. Ad shelo igia. La asarat fachim, golelo etzlo. Mishigi ala asarat fachim, ofcho al aktav. Rabbi Yehuda omer, afilu en mesulak minaret, ella, kemelo machat, golelo etzlo. Rabbi Shimon omer, afilu baaret atzmo, golelo etzlo, shen nechadavar mjomjvut, omed bifnei kidvei akodesh. Je commence à traduire. Aya kore basefer ala iskupa. Il était en train de lire dans un livre, ala iskupa. Iskupa, je ne sais pas comment ça se traduit en français. C'est devant la porte, ils avaient le seuil, en fait, c'était le seuil de la porte, qui était parfois surélevé, parfois même très surélevé, à une hauteur presque de 10 tefar même parfois. D'accord, je ne sais pas exactement pourquoi c'était comme ça. C'est une sorte de rebord, en fait, qui se trouve devant la porte, mais pas dans le Rishut Arabim, dans le Rishut Ayachid. C'est-à-dire, la maison, c'est le Rishut Ayachid. La voie publique, c'est le Rishut Arabim. Entre les deux, il y a ici ce seuil de porte, ce rebord, qui est devant la porte, qui n'a pas de définition de Rishut Ayachid, donc il n'est pas haut de 10 tefar. Il est haut de 5, 6, 7 tefar. Avec une largeur de 4 sur 4 et même plus, on évoquera éventuellement un petit mot ensuite dessus, sur la question. D'accord? Donc, devant, donc je reprends, il y a la porte qui a le rechute aérien, il y a devant la porte une sorte de rebord qui dépasse, comme ça, haut de moins de 10 tefar, qui a pas qui est ni comme rechute aérien, ni comme rechute aérien, et l'ami, il était assis là-bas, en train de lire un Sefer Kadosh. Les livres de l'époque, ils étaient en forme de parchemin. D'accord? Comme ça, Rashi et le Barthénora précisent. Là, on parle que c'est un grand parchemin. Et ce qui se passe, tout au long de la Mishnah, en fait, c'est qu'on va parler que le livre, il est tombé partiellement. Il y avait deux rouleaux, ouais, comme une Megillah, comme un Sefer Torah ou comme une Megillah. Il le lit, et puis il a fait tomber un côté de sa main, que ça a roulé. Et la question, elle est de savoir, est-ce que je peux maintenant ramasser le livre? Pourquoi? Parce que d'une part, il est posé par terre, le Rishut Arabim. Il est posé par terre. Donc, en théorie, il faudrait le retourner, il faudrait le ramasser. Il ne faut pas laisser poser par terre. D'un autre côté... S'il est tombé dans le Rishut Arabim et que tu vas le ramasser, tu vas porter du Rishut Arabim au Rishut Ayachid ou à la Carmélite. C'est sur ça que ça va jouer sur la Mishnah. Et d'abord, je commence à traduire maintenant les deux premiers cas où vous n'allez pas tellement comprendre quelle est la différence. Et après, on expliquera quelle est la différence. Donc, première situation, c'est qu'il était sur ce rebord qui est devant la porte. On n'est pas dans le Rishut Ayachid. On est sur le rebord qui est défini comme un Carmélite. Entre les deux, ni Rishut Ayachid, ni Rishut Arabim. Donc, un domaine des Rabanan. Et qu'est-ce qui se passe? Venit Galgal s'est fermé à dos. Le livre a roulé de sa main. Il a gardé un bout dans la main, gauche par exemple, et le rouleau qui était dans la main droite, il a roulé, il est tombé par terre. Alors la Mishnah me dit, ben, golelo et slow, tu peux le rouler, tu le ramènes chez toi. Même situation avec une halakha différente cette fois-ci. C'est que Hayakore Berosh Agag, il était cette fois-ci assis en haut du toit en train de lire. Et là, de là-haut, Nit Galgal s'est fermé à dos. Et le livre... Depuis là-haut, il a roulé, il est tombé sur la voie publique. Et la Mishnah me dit là cette fois-ci, donc il est assis sur le toit cette fois-ci, et bien cette fois-ci, Adjeloïgi à la Sarat Fahim, si le livre n'est pas arrivé à une hauteur de 10 tefar du sol, Golelo Etzlo, il pourra le rapporter chez lui. Par contre, Mishihigi à la Sarat Fahim, s'il est arrivé, il a déjà pénétré dans la hauteur des 10 tefar du sol, Ofro à l'Aktav. Il ne pourra plus le rouler, il devra juste le retourner sur l'écriture. Et je dois nécessairement rajouter encore une petite phrase, c'est celle de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda Omer, Afilu en mesulak minaret, c'est la kemelo machat, golelo etzlo. Rabbi Yehuda me dit, apparemment, donc il y a une discussion, mais en fait il n'y a pas de discussion. Rabbi Yehuda me dit, non, tu pourras le rouler vers toi tant qu'il n'a pas touché le sol. Et si ça vous intéresse, il y a Rabbi Shimon qui vient ensuite et qui va dire, même s'il a touché le sol, il pourra l'emporter. Mais on le verra ensuite, Rabbi Shimon, parce que déjà pour comprendre Rabbi Yehuda ce qui se passe, c'est compliqué. Retenons, il y a deux cas de figure en fait. Apparemment la même situation avec deux halakhot différentes. D'accord? Mais au début, il est assis sur une iskoupa, sur un rebord, il fait tomber le livre, tu lui dis, ah, tu peux le ramener. Après, il est sur le toit, et là, tu me dis, ah, si ça tombe par terre, là, il y a un problème. Si ça tombe complètement par terre, tu ne vas plus le rapporter.
tu devras uniquement le retourner. D'abord, j'explique. Le retourner sur lui-même, c'est significatif en fait. On lui interdit de rapporter le livre chez lui, parce qu'il risque de porter du chutarabim au chutarid ou carmélite, ou peu importe. Et donc, pour ne pas le laisser de manière comme ça, un livre qui est jeté comme ça, ouvert au grand jour, on le retourne sur lui. Bien qu'en théorie, retourner un livre sur lui-même, c'est interdit. Il faut le savoir, c'est bien la Kham Meforeshet dans le Rama, même dans les de Sefer Torah, c'est malheureusement très fréquent. On n'a pas envie que le livre se ferme, on a envie de garder la page. On retourne le livre comme ça sur lui-même, c'est interdit. Et c'est déduit dans cette Gemara ici qu'il ne faut pas le faire. Quand le Shabbat, le livre, il est tombé par terre et tu ne peux pas le ramasser, alors là, on va te dire, tu sais quoi, retourne-le au moins sur lui. Parce que être comme ça, le ouvert au grand jour, c'est un plus grand bisaïon, c'est un plus grand mépris pour le livre que de le retourner sur lui-même. On a fini avec les halakhot du Sefer Torah et on revient maintenant sur notre halakha. Donc en fait, on a deux situations. Une où il est sur la iskoupa, sur le rebord, ça tombe, je te permets de le remonter. Une autre fois, il est sur le toit, ça tombe. Là, on rentre dans des tas de détails, des tas de considérations. Si le pari, il n'a pas pénétré dans les 10 tefards du sol, à partir du sol, qui sont considérés comme le rechut arabim, tu pourras le rapporter. Mais dès que tu pénètres, ça pose problème, on t'expliquera ensuite ce qu'il faut faire. On reviendra ensuite dessus. D'accord? Donc ce qui m'intéresse pour le moment, c'est d'expliquer la différence entre la iskoupa et le toit. Et la réponse, elle est comme ce que je vous ai expliqué, comme j'ai introduit au début. On parle d'une iskoupa qui est un rebord, qui est un carmélite. C'est pas un rechut arachid, c'est pas un rechut arabim. Soit, d'abord je pose la généralité, en fait, de base de toute notre Mishnah. Tout d'abord, tout objet qui tombe par terre dans le chute rabîme, si tu le gardes de l'autre côté en main, il est partiellement dans ta main, et partiellement posé. Si tu le ramènes chez toi, tu ne transgresses pas d'interdit de la Torah. Parce que Ogdo Beyado, tu tiens encore le Agad, la lanière qui le retient, tu retiens encore, tu le tiens encore dans les mains, même s'il est partiellement posé par terre. D'où, ça signifie qu'en fait, si tu as ton manteau, t'es dans tête à la fenêtre et ton manteau, tu le tiens d'une manche et tombe par terre, il est posé dans le rechut d'Arabim. Si tu le ramènes chez toi, tu ne transgresses pas d'interdit de la Torah. Pourquoi? Parce que tant qu'il est encore dans ta main, il n'est pas vraiment posé dans le rechut d'Arabim, il est entre les deux. Premièrement. Donc, on est dans une Mishnah où il n'y a pas d'interdit de Rabbanan. Déjà, je pose tout de suite la dernière phrase de la Mishnah qu'on n'a pas encore traduit. Rabbi Shimon, il va me dire, tu sais quoi, puisque c'est quand même un interdit de Rabbanan, s'il y a un mépris pour un livre Kadosh, tu ramènes. Il n'y a pas d'interdit de Rabbanan, c'est un livre de Kadosh, Kadosh qui est en situation méprisante. C'est ce qu'on verra ensuite quand on y arrivera. Nous, dans notre Mishnah, on tient compte qu'il y a effectivement un problème de le ramener le livre, parce que aujourd'hui tu vas ramener le livre vers toi parce que tu le tiens dans la main. Demain, machinalement, le livre il va complètement tomber, tu vas aussi le ramener. Et lorsqu'il va tomber complètement, tu vas transgresser un interdit. Du coup, si le rebord, c'est pas un interdit midoraita à l'autre de le rapporter sur le rebord, parce que c'est une iskoupa carmélite, qui est définie comme un carmélite, ni Rechudaïri, ni Rechudarabim, entre les deux. Alors là, on va te permettre, tant que tu le détiens dans la main, de le rapporter chez toi. Parce que maximum, s'il est tombé, tu vas le ramasser, tu transmettras qu'un interdit de Rabbanan. Donc du coup, on peut se permettre de dire, allez, ramène-le, tant que tu le tiens dans la main. Ok? Il y a de quoi rallonger, par fidélité, je le dis. On parle d'une iskoupa qui est très large, mais je préfère pas entrer dedans. Regardez la Becky Weger et le Tiferet Israël, ça vous intéresse. Ok, ça c'est quand la iskoupa, donc elle est carmélite. Par contre, lorsque tu es sur le toit, donc tu as une hauteur de 10 tefach au minimum à partir du sol, là, tu es déjà dans un rechut aïchid. Si ton lévi tombe dans le rechut arabim, si tombé complètement et que tu le ramassais, que tu le ramènerais chez toi, tu transgresses un interdit de la Torah. Du coup, même lorsqu'il va rouler et que tu le tiens de l'autre côté, tu auras des problèmes pour le rapporter. Alors, les problèmes ne commencent que lorsque tu as pénétré dans dans l'espace du rechut arabim. Le rechut arabim, alors là, c'est un point important qu'on a déjà évoqué, mais quand même. On répète, le rechut arachid olé de la rakiya. Le domaine privé, il monte jusqu'au ciel. Ça signifie que même à 30 mètres de hauteur, tout ce qui vole au-dessus de mon rechut arachid est considéré comme un rechut arachid. Il est comme entrant dans le rechut arachid. Alors que dans le rechut arabim, tofes a des certes fachim. Il va monter jusqu'à 10 tefar uniquement. Au-dessus de 10 tefar, c'est plus un rechut arabim. D'accord? Il y a plein d'alachot qui découlent de ça. On a déjà évoqué, on avait parlé dans Masechet Shabbat, celui qui prend une figue et qui la jette sur un mur. Si la figue elle arrive à une hauteur de 10 téfars et qu'elle se colle, ça s'appelle que c'est posé dans le chute d'Arabim, t'as dans un interdit de porter 4 amotes par exemple dans le chute d'Arabim. Alors que si tu le jettes, tu vas la coller sur un mur au-dessus de 10 téfars, alors tu ne transgresses plus d'interdit de porter parce que ça n'a pas été posé dans le chute d'Arabim. Le chute d'Arabim est donc jusqu'à 10 téfars. Donc premièrement, on va procéder par élimination. Si le livre il est tombé jusqu'à une hauteur au-dessus des 10 téfars, il n'est pas encore pénétré, il n'a pas encore pénétré dans le chute d'Arabim, aucun problème, tu le ramènes chez toi. Ensuite,
Si toutefois il a pénétré dans l'air du Rechut Rabim, il y a un problème dans la Mishnah, il y a apparemment deux avis qui en fait ne forment qu'un seul. Il y a deux situations qui sont évoquées. La Mishnah me dit que si toutefois il a pénétré dans les 10 tefards, au début il y a marqué que tu le retournes contre lui, mais tu le retournes sur le. Tu mets la face écrite contre le mur comme ça. Le livre il n'est pas posé de manière précédente. Donc tu retournes le livre, d'accord? Tu le caches, tu le voiles. Ça, c'est le premier avis. Et Rabbi Yehuda qui me dit non, si, tant qu'il n'a pas touché le sol, tu pourras le rapporter chez toi. En réalité, la Gemara explique qu'il n'y a pas de discussion entre les deux avis. On parle de deux situations. Il y a un cas où il y a ça tient en l'air. Si ça tient en l'air, tant que c'est pas posé du tout, tu pourras le rapporter. Ça, c'est ce que Rabbi Yehuda il a dit explicitement. Expressément, Afilo en mesolak minare salakim lo machat. Tant qu'il n'a pas encore touché le sol, même il reste la largeur d'une aiguille jusqu'au sol, tu pourras le rapporter chez toi. Parce qu'il n'a pas du tout été posé. Si toutefois, ton toit, il était. Donc, tu étais assis sur le toit, mais en fait, ton toit, il était en pente. Ça fait que le livre, il est. Le parchemin qui a roulé, il est posé, tant bien que mal, il est posé. D'accord? De manière que, si tu le lâchais dans les mains, il resterait posé. Il pourrait rester posé en théorie. Donc, il est déjà, maintenant, puisqu'il a pénétré dans la hauteur des 10 tefards du sol. Il est déjà posé partiellement dans le jus d'Arabim, tu ne pourras plus le rapporter chez toi. C'est ce que la Mishnah me dit au début. Michel Igia la Sad Fachim. Je reprends maintenant la deuxième partie de la Mishnah. Donc, Aya Kore Berosh Agag, il était sur le toit, en haut du toit. Venid Galgal s'est fermé, le livre a roulé de ses mains. Ad Shelo Igia la Sad Fachim. Donc, tant qu'il n'est pas, il n'a pas pénétré dans l'air, dans l'espace, je ne sais pas comment dire, dans l'air, le niveau des 10 tefards du sol. Donc là, Golelotlo, tu pourras le rouler et le rapporter chez toi. Mishigiala Sarat Farim, depuis qu'il a pénétré dans les 10 tefards, donc tu es déjà rentré dans le domaine du Rosh Hashanah. Alors là, comme le long Barthénois nous l'explique, on parle si, et le Kotel Meshupa, le mur est en diagonale, je ne sais pas comment dire. Donc du coup, ton livre il est plus ou moins pseudo-posé. Dans ce cas-là, au froid l'actave, tu devras le retourner. Par contre, rajouter une petite phrase. Par contre, si le mur n'est pas en biais, mais il est plutôt droit, donc le livre n'est pas du tout posé, tu pourras, dans ce cas-là, le rapporter chez toi, chez Rabbi Yehuda Omer, car Rabbi Yehuda nous dit, même s'il est au-dessus, il est surélevé au-dessus de la terre, comme une épaisseur d'une aiguille, il n'a pas encore touché le sol, golelotzlo, tu pourras le rapporter, ça c'est lorsqu'il. Pendouille complètement sur le jeu de Rabim qui n'est pas du tout posé. Sur ça, maintenant, on découvre le dernier avis de la Mishnah. Rabbi Shimon Omer, Afilu, Ba'aretz Atzmo, Golelo Etzlo. Sache que dans n'importe quelle situation, tant que tu tiens un côté du parchemin et que l'autre côté il a roulé par terre, quelle que soit la situation, si tu es dans le Shtérid ou dans la Carmélite, ou peu importe, tu as toujours le droit, tu le fais rouler, tu le rapportes chez toi. Pourquoi? Shenecha Davar Mishum Shvut, car il n'y a aucun interdit de Shvut, des interdits des Rabbanan. Omed qui se tient, Bifne qui devait à Kodesh, qui se tient devant un mépris des écrits saints. Puisque le livre, c'est un écrit saint, il ne faut pas qu'il soit posé par terre en théorie. S'il se retrouve posé à Shabbat, on te permettra de transgresser un interdit des Rabbanan. Si tu lisais un autre parchemin qui n'était pas Kadosh, alors là, tu ne pourras plus le rapporter, tu ne pourras plus le rouler dans. Mais si c'est un parchemin Kadosh, donc il y a du zilzoul, il y a du mépris pour le Sefer Kadosh, tu le rapportes chez toi et il n'y a pas. Hamim n'ont pas maintenu leurs interdits de Rabbanan dans ces situations. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Etzlacha. Kol Tov, Selah.